Si vous aimez le ski nordique, la rando et les forêts de sapins, ne bougez surtout pas, la zone du Grand Coin est faite pour vous. Et pour que rien ne nous échappe du site, qui regroupe les communes de Montémont, Pont-à-Maffrey, Mont-Pascal, Mont-Vernier et Le Châtel, j'ai demandé à Louis de nous accompagner. Le président du syndicat intercommunal ne devrait pas avoir trop de mal à nous dire quelles sont les principales caractéristiques du lieu. On trouve un très bon enneigement avec un soleil bien exposé et les gens peuvent pratiquer donc le ski de fond, la luge, la raquette et le ski de randonnée pour les plus férus sur le secteur du Grand Coin. Sur la zone nordique, les gens viennent parce que c'est facile, c'est familial, c'est touristique, les gens peuvent venir à pied. Ici, on reste quand même dans un endroit nature. Le secteur est très connu pour ses pistes de ski de fond. Tu peux nous en dire davantage sur elles? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de montées. Aujourd'hui, on est sur un site assez vallonné. Donc nous, on essaie de proposer des pistes agréables avec un petit peu de plat. On n'en a pas beaucoup, donc on essaie quand même d'avoir un petit peu de plat. Et il y en a pour tous les niveaux. Donc c'est vrai, pour des fondeurs qui font beaucoup de skates, il faut quand même avoir, comme on dit, un peu la caisse. Après, pour les autres, le damage permet de pratiquer le ski alternatif en ski à écailles. Donc c'est assez simple, même si ça monte à un moment, ça va bien finir par descendre. Quand on voit tout ça, on se dit que ce serait quand même vraiment dommage de passer à côté de ces paysages. Et puis j'ai vu aussi que c'était super accessible au niveau tarifaire. Les forfaits sont pas chers du tout. Il y a beaucoup de gratuité, que ce soit pour les raquettes, que ce soit pour la marche à pied. Donc tout est gratuit pratiquement. Donc nous qui viennent nous rendre visite, ça nous fera plaisir parce que quand on essaie de décarcasser, le retour c'est qu'il y a un petit peu de monde. Voilà. Bon, si je récapitule, le programme d'une journée sur le site nordique du Grand Coin, c'est sport, soleil et décor fabuleux. Et tout ça pour pas cher, si ce n'est rien. Eh bien, je crois qu'on va très vite se revoir, Louis. Et quelque chose me dit que je ne suis pas la seule à être conquise.